Sauf qui peut. C'est énorme. Salut à tous. Alors, pourquoi mon personnage a gueulé sauf qui peut? Parce qu'à chaque fois que je commence à enregistrer avec Fraps, bien évidemment, la touche de capture, c'est la même que la touche sauf qui peut sur Diablo 3. Et oui, on est sur Diablo 3 en même temps. Vous l'aurez très rapidement remarqué. Salut non, à non, toi, non. Atomium. Eh ben bonjour tout le monde d'abord, bon. D'abord tout le monde, et ensuite Dorif, salut Dorif, ça va? Espèce de saligo, bah, salut à toi, oui ça va très bien. Je suis alors, un aligo. Un petit aligo comme ça, bien fondant. Oh mais arrête de transformer en seigneur de la destruction maléfique là, c'est pas possible. Mais, je crie et je m'énerve. Alors on se retrouve sur le journal de Dorif, épisode 3, spécial mode enfer, et oui ça y est, on a terminé le mode cauchemar avec Ato, et donc le mode cauchemar... Qui nous a vendu du rêve. Ah mais il nous a vendu du rêve carrément, parce que c'était d'une simplicité digne d'un jouet Playschool, tu vois, c'était complètement trop simple. Donc là, pour les histoires. On est content parce que le mode enfer, donc c'est le mode de difficulté, le 3 et le 3ème palier, qui est quand même beaucoup plus compliqué, même si c'est pas non plus ultra compliqué en solo, mais c'est un mode qui prend toute son ampleur quand on joue à 2 ou à plus, où les mobs ont beaucoup de vie en face, et c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cet épisode, Ato? Eh ben écoute, on va parler à Léa Passion dans un premier temps. Allez, dire bonjour. Lui. Léa Passion cheval, et enfin Léa Passion enfer en fait au final, et puis ensuite il va falloir qu'on aille sauver des villageois donc qui se font complètement attaquer dans la ville que vous allez voir, et donc on va devoir les sauver des griffes du démon. Les démons. D'une pluie de météores. Et puis je pense qu'on finira cet épisode par la tuerie de... C'est Asmodan ou Belial, je sais pas. Alors c'est Belial. Effectivement. C'est Belial. Je voulais garder la surprise, mais tu as spoilé la fin. Oh, j'ai tout dit, mon dieu. On va éclater Belial ensuite. Alors on sait pas. On va suivre Léa Passion. Et on va suivre sa maman qui a un bâton en forme de lune. C'est Hiro de la Luna. Enfin, Ira de la Luna. Ira de la Luna, exactement. Tu sais, c'est la chanson qu'on a tous chantée dans les chorales et tout. Ah non, c'est toi. Non, pas toi. Bon, bah moi je l'avais chantée. Bon, bref. J'ai pas fait de chorale, moi. You failed, de Rive. J'ai fait de la chorale. Parlons à Ashaera. Ashaera, donc Ashaera, voilà, qui est là pour nous dire vite, sauve les gens, sauve les villageois de météorites, des comètes de la mort qui font largement penser à Warcraft, pas World of Warcraft, hein, Warcraft, il y a les mêmes comètes qui tombent. Ah, c'est possible, attends, j'en rajoute un petit peu si tu veux. Salaud. Et donc voilà, faut faire attention, il y a des réfugiés, voilà, qu'il va falloir sauver. Alors Dorif, je te suis. Bah et écoute, donc, je tue les imposteurs ondulants, c'est très oriental, ils me font une petite danse du ventre comme ça. Je suis charmé par leur beauté. Ah mais je n'en doute pas. Attends, des vipères funestes, moi je croise une vipère comme ça dans mon jardin, je prends peur, je pense. Hein. Arrête, j'ai une amie qui s'est fait piquer par une vipère dernièrement. Violent en plus. Hein. C'est vrai, mais ouais, bien, ouais, non. Elle a passé sa journée à l'hosto quand même. Hein. D'accord, ah oui, non mais tu sais que ces trucs là, ça pique, ça fait mal. Allez, on se dépêche. Oh, alors, le vous voyez sur la minimap, en fait, il y a des points jaunes, ça indique les points de spot des villageois. Donc c'est une petite quête secondaire qui donne... Ah, Ato, il se la pète, mais grave, avec sa forme de... N'importe quoi. Sa forme astrale, là. Sinon, je me prends du one-shot. C'est pas faux. Donc, on va les sauver, et ensuite, on rentrera dans le palais. Vous remarquez qu'on a tous les deux, avec Atomium, des boucliers. Expliquons pourquoi nous portons des boucliers. Explique pourquoi, d'ailleurs, un mage doit porter un bouclier. C'est un peu bizarre. Alors, moi, j'ai pas de raison pour laquelle je porte un bouclier, si ce n'est celle des statistiques, en fait, que ça m'apporte, qui sont mieux, pour le moment, que celles des sources. Tu sais que tu peux avoir... des dégâts. Les mains gauches là, les trucs, les voilà. Sceptres ou les... D'accord, c'est juste, c'est pas une question de défense pour toi. Un petit peu, bah, ça aide bien sûr pour les histoires de parade et d'esquive, mais c'était pas là le but premier, on va dire. D'accord, bon bah moi de toute façon vous le savez, hein, Squeak le barbare c'est un gros guerrier, et sur le mode enfer c'est plutôt conseillé de jouer avec un boubou, même si c'est largement possible encore de jouer avec une arme à deux mains ou deux armes à une main, mais bon c'est pas dégueulasse, hein, j'ai 27 400 points de vie. Ah oui, ça va, oui. Ça va, quoi. Beaucoup d'armure. Niveau des dégâts, c'est pas extraordinaire. Mais on est à peu près tous les deux à 3K DPS, un peu plus. Toi, t'es 57. Non, t'as raison. Je suis à 3K. Non, je suis pas un très très bon 57. Tout simplement parce que j'ai pas trop cherché à faire l'hôtel des ventes récemment. Parce que c'est pas non plus que. Ah, j'avais plus de potions. Dorif, je suis mort. Oh non. Je vais devoir le sauver tout seul. Ouais, il y a quand même un fossé entre le tissu du mage et la plaque du guerrier. Ah là là, ça c'est terrible. Dès que je me fais encercler, je tombe immédiatement. Je ne suis pas fait pour le cac. Je vais te sauver. Attends, j'ai plus beaucoup de temps. Je vais peut-être sauver les villageois avant. On va sauver les quelques villageois qui restent. Ouais. Désolé, du coup, j'en ai fait tuer deux alors qu'on aurait pu en avoir pas mal au final. Bon, c'est pas grave. Bon, attends.
Je vais essayer de... Allez, bon courage de Rive. Voilà. On y croit, on y croit. Allez, on y croit. On est avec lui, vas-y de Rive. Allez, yeah, les villageois, yeah, c'est bon. Entrez dans Caldeum avec Princesse Léa et Adria. Et Adria. Alors, c'est vrai qu'on a remarqué, tu parlais de l'hôtel des ventes. Il est vrai que l'hôtel des ventes est quand même un... C'est un peu un cheat button, tu vois. Tu es pas stuff, tu as un peu d'argent dans tes sacs. Tu vas sur l'hôtel des ventes et tu te stuff de la tête aux pieds pour moins de... Et t'as oublié de venir me sauver, espèce de lâche. Mais ah pardon, je crois que t'allais ressusciter directement via le village. Non, j'arrive. Espèce de flemmard. Même dans la mort, il ne fait rien, cet homme-là. Non, c'est bon, je suis là. Allez, viens, Atto. T'as mis des petites roulettes, c'est bon, tu peux avancer. Oui, c'est bon. Attends, j'ai mes rollers portables dommage. Attends, pour mon un personnage qui s'appelle Squeak, ce serait étonnant, tes roulettes grincent alors. Squeak, 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 squeak. Oh là là. Ça là fait là penser là à la vieille blague pourrie de Superman à Quick, mais bon, ça, on va éviter cette blague-là. Ah, je la connais pas, la blague. Tu la connais pas? Non. C'était tu sais pourquoi je connais plus son nom, Hubert Reeves. Non, c'est pas lui, non, ça c'est le physicien. C'est une autre Superman, c'est machin Reeves là ou je sais pas quoi. Et sponsorisé par un restaurant de fast-food parce que ses roulettes font quick. Enfin bon, c'était complètement pourri. Oh là c'était là une là blague. Là là là. Attends, niveau blague de cours d'école primaire, ouais à peu près. Non mais le pire, c'est que tu nous le racontes. Bah et oui, tu me l'as demandé aussi. Et en plus, oui, t'es mort non, pendant cette blague. C'est la oui, blague qui t'a tué. C'est la blague, elle m'a tué. J'écrirai De Rive m'a tué. De Rive m'a tué. Bon bref, après cette blague complètement débile, on va reprendre notre débat sur l'hôtel des ventes. L'hôtel Bien des sûr. Ventes vous permet de vous stuffer de la tête aux pieds pour pas cher du tout. Allez, pas cher le stuff, pas cher. En plus, ça tombe bien, on est dans un souk, donc en plus, tu peux vachement marchander tes prix à fond. Et franchement, c'est bien le bazar cette vidéo. Je me suis stuffé, mais un de truc de pied, porc, de la tête aux pieds en quasiment en tout jaune, pour moins de, je sais pas, allez, je vais dire moins de 80 000 PO, quoi, ce qui est rien du tout dans Diablo. Oui, bah c'est vrai que 80 000, surtout en mode enfer, ça va très très vite. On récupère des stacks de 200 en moyenne. Et ouais, on peut s'équiper très très facilement. Alors par contre, ce qu'on peut dire aussi, et ce qui est peut-être un reproche, c'est que finalement, si tu ne vas pas par l'hôtel des ventes pour te stuffer en enfer, tu galères et tu galères à finir le mode. Bah tu trouves rien. Faut dire qu'ils sont un peu radins au point de vue des loots. Ou alors t'en trouves, mais c'est jamais pour ta classe. C'est un peu le syndrome du je récupère pour les voisins. Ouais. C'est ça, tu dis ouais, bah je vais récupérer ça pour un reroll, machin. Résultat, t'as ton coffre qui est rempli de stuff pour ton reroll, mais t'as rien pour toi. Donc tu finis par tout vendre, et avec l'argent que tu récoltes, tu finis par racheter du stuff bah, pour toi, tout simplement. C'est tout à fait ça. Bah, je pense que c'est ça qu'a voulu Blizzard, même à la base, tu sais. Bah, à mon avis, ouais. c'était leur volonté depuis le début de proposer un truc de ce type-là. Oh là, de Rive, ça part dans tous les sens là. Non. Alors explique-nous un peu ton rayon Kamehameha de la mort là, c'est beau ouais, ça. Ouais, mais en fait c'est Son Goku, donc on a fait un entraînement qui nous a valu beaucoup de temps dans des cascades, tu sais, à côté du Laios. Non, en fait c'est un, enfin j'ai un personnage qui se veut, on va dire essentiellement glace, comme vous le voyez avec ce magnifique. C'est vrai qu'il est glace. Hein. Ah, il est super glace. Attends, t'as mis du gloss aussi, s'il te plaît. Mais fais gaffe parce que de temps en temps j'ai des micro-freezes. Oh là là là. Putain, t'as refroidi l'atmosphère avec ta blague là, violent. Ah, j'en ai tout à fait confiance, je suis désolé. Et bon. Donc oui, tout ça pour dire que je marche en pingouin dans... Allez, on arrête. Oui, donc essentiellement glace. Et donc je fais plusieurs choses à la fois, le rayon à la fois, je gèle les ennemis pour les paralyser. Rayon magique. Voilà, tout à fait, Makin Kozato. Mon dieu, il m'a envoyé une décharge électronique. Ouais, j'envoie des vagues déferlantes. J'ai aussi une armure de glace qui me permet en fait dans les moments critiques, à savoir quasiment tout le temps, de ne pas prendre de dégâts. Parce que c'est vrai que tu meurs beaucoup, hein, punaise. Oh merci. Non, c'est vrai que attends. J'avoue jouer très très mal. Mais il y a un truc, moi, avec le barbare, c'est que vous voyez, je spam mon attaque sur la touche 1, là, qui est en train de briller en jaune, et ça me rend tous mes PV, c'est hallucinant. Ouais, tu vois, là, je suis mort une nouvelle fois, tu vois, j'ai essayé de fuir, j'ai pas réussi. Alors, j'avoue, je suis pas un expert de Diablo, j'ai aucun mal avec ça. Sinon, juste autre chose, j'ai une petite aura aussi que j'ai pas activée, j'ai oublié, c'était là, qui rajoute des coups critiques. T'es mort où, what the fuck, là, le... Ah, mais t'es mort loin, en fait. Oui, mais c'est pas grave, je suis... Ok, je me demande bien comment t'as atterri ici, Atto. Je sais pas. En plus, tu me laisses me friter contre deux mobs bleus, c'est très gentil ça. Tu sais, j'ai fui, mais dans la bonne direction, en fait. Alors, les mobs bleus, c'est des...
c'est des mobs élites en fait, qui tapent plus fort, qui ont plus de PV que les autres. Donc c'est ceux qui représentent entre guillemets une dose de difficulté assez accrue. Vous voyez, ils ont des techniques là avec des... Ceux-là ils ont des éclairs, du poison, du feu, c'est la totale. Eh bien, surtout moi ce que j'aimerais signaler en plus de ça, c'est que c'est surtout des gouffres à PV en fait les... Ouais. Les bleus, j'ai pas vu que je pouvais réapparaître juste à côté en fait, donc ça tombe très très bien. Alors cette fois-ci, je vais essayer de pas me faire tuer malencontreusement. Moi j'ai failli crever, donc je vais me transformer en Super Saiyan, histoire de faire un peu mal, allez. Oh là là, ouais, tu vois, ils ont beaucoup beaucoup de vie. Ouais, ouais. Et là, entre le feu et les poisons, ça fait très très mal, surtout pour une classe comme la mienne. Ça, bah, c'est vrai que de toute façon, comme disaient Charlie et Lulu, le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Et l'eau ça mouille, exactement. Tous les poisons vont dans tes veines, si les paroles de la chanson sont bonnes. C'est tout à fait ça. Hein. Mais bon, ça va, je me suis acheté une armure, elle est en laine et en jersey. Oh là, me parle pas de tissu en ce moment s'il te plaît. Allez, donc on va finir ça et puis tout de suite après on va vous montrer donc Bélial. Asmodan, pardon, je confonds. Asmodan, non Bélial, non Bélial. Non, c'est Bélial. Bélial. Non, mais non, tu me confondais pas, tu vois. Tu manques de confiance en toi, de Rive. Non, tu t'affirmes. Affirme-toi. Je trouve que c'est un boss qui est un des plus impressionnants, c'est le plus grand en fait. Et ouais, il est cool. Il a la classe. Il a la classe. Je vais crever moi, tu sais. Son arrivée, elle est géniale. Ouais, c'est vrai. Allez, attention, voilà. Je suis mort 4 fois dans la vidéo, mais c'est pas grave. C'est pas grave, comme dans toutes. Ah voilà. Quel traître. Le salaud. Je vais juste faire un truc qui me manque depuis tout à l'heure. Je vais chercher une potion de Rive et je reviens. Va chercher une potion. Bah, clairement, il y a quand même une différence. T'es niveau 57, je suis niveau 53, je ne suis pas mort. C'est pas pour me la péter du tout, attention. C'est juste pour faire un petit peu quand même. Avouez que mon personnage qui porte donc l'armure du lion des seigneurs de la Vierge est quand même magnifique. mais quand même, c'est vrai que le barbare... Après, c'est vrai que le barbare est solide, mais en même temps, c'est normal. C'est un barbare, il est en plaque et tout, mais il a une chier de PV, t'as moyen de faire des stuff défensifs assez puissants. Oui, même oui, si oui. Je pense que le mage tape quand même plus fort. Quoique. Franchement, je pense que le mage, il y a moyen de s'amuser pour une classe qui, en tout cas, donne beaucoup de mal aux ennemis en multijoueur et tout ça, pour justement tous les sorts de gel et compagnie. Mmh. C'est une classe qui est beaucoup plus fun à jouer que... Je sais pas, on va dire c'est pas la classe avec laquelle tu vas pouvoir soloter le jeu et rouler sur la carte. Mais ça n'en reste pas moins que c'est avec celle-là que moi je m'éclate le plus quoi. Alors le Mon Bélial. Mon dieu, l'empereur enfant serait en fait l'incarnation de Bélial. Bah il avait déjà les cornes. C'est vrai. Si tu regardes bien, son casque c'est un casque de Bélial. Ouais, il s'est trahi. Merde, j'aurais pas dû. j'y avais pas pensé, zut. D'ailleurs, au passage, hein, moi je trouve que cet environnement-là du jeu, c'est quasiment le plus beau. Enfin, je trouve que c'est très très beau. Le palais, ouais, avec la vue plongeante comme ça sur les bas-fonds, c'est très joli, effectivement. Vous verrez tout à l'heure à la fin du fight, si on arrive à finir ce fight. Si on y arrive, mais pareil, il y a la zone de l'acte 4. Je sais pas si tu comptes la montrer en vidéo, mais c'est vrai qu'il y a des choses à voir, quoi. Je montrerai, ouais, lors de la. En fait, il y aura encore sans doute deux vidéos de Diablo, donc deux journaux de Rive. D'accord. Prochaine vidéo, ce sera sur le prochain mode de difficulté, je pense, donc dans l'acte 4, j'imagine. Si j'y arrive, hein. Et ensuite je vous ferai Whimsy Shire, c'est la zone, le Ponyland en fait, la zone cachée des bisounours. Je suis en train de crever là, mais violemment. Mais écoute, je me sens moins seul comme ça fait plaisir. Ça va, j'ai récupéré des forces. Allez, on y croit. Non mais là ils sont violents en fait. Ils sont très 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 violents, ça va, je m'en sors pas mal au point de vue de la régène. En fait j'ai un talent qui me permet de récupérer beaucoup plus d'orbes de vie au sol. Et ça aide à fond. Ah bah oui effectivement, oui. Ça c'est un genre de truc en tout cas pour lequel j'en aurais un peu besoin à ta place. Hop là, alors là vous avez vu hein, juste les ennemis qui sont tombés très très vite. La transformation comme ça en Monsieur Violet, j'ai oublié le nom, ça fait très très mal. En Monsieur Purple. Voilà, j'ai dit Monsieur Deep Purple à Monsieur Purple. Non, c'est Monsieur Deep Purple dans ces moments-là, mais oui, non. Bonjour les enfants, c'est Monsieur Purple. Mais non, c'est l'Arconte, voilà. Oh là là. Ah oui, c'est l'Arconte, ça fait penser à StarCraft, l'Arconte noir, tu sais. Non, mais attends, tu sais que sa tenue préférée c'est le Porin. Parce que l'art contemporain. Oh là là. Oh mon dieu, mais sortez-moi de là. Je demande au secours de la blague de merde. Et
Le prix de la blague de merde 2012 est décerné à... Les lauréats sont... Bah là, on n'est pas loin. Je vais crever. Mais non, tu vas pas crever, Dorine. Et foi en toi, et foi en ta puissance. Pourquoi t'as plus de vie? Tu sais que bah si tu meurs, je peux pas venir te soigner et je peux pas finir le boss. Je sais, faut que... mais j'ai plus de potions. Attends, là c'est bon. Voilà, un petit peu de PV. Oh punaise! Ça craint du boudin, ça craint. Attends, c'est le moment de me sauver. Save my life. Oh, tiens. Je suis mort, non! Loupé, c'est pas grave. Vos objets ont perdu 10% de durabilité. Essaye de finir le boss tout seul, hein, dans je déconne, on va revenir à pied. Tu peux pas revenir à pied, non. Bah meurs, on le refait. Non, c'est bon, t'inquiète pas, je vais. Ouais, mais c'est pas du jeu, t'es en archonte. Non, mais j'ai. Maintenant, je vais entendre ma blague à chaque fois. Je sais. Le problème, c'est qu'on le tape pas en fait, on tape les mobs qu'il y a autour. Alors attends, je vais geler. Attends, vas-y, viens. Il y a un petit. Non! Petit naga! Ah. Est-ce que seulement je vais réussir à venir jusqu'à toi? Viens à moi! Bah écoute, je vais le tuer. Bah ouais, tue-le, hein. Ah non! Ah bah, tue-toi sinon! Ah! Mais je viens de voir. Oh, mais alors là, décidément, c'est la. On repop juste devant en fait. Oui, mais surtout, je viens de voir, mon armure est complètement explosée en fait. Depuis tout à l'heure, j'étais en jaune. C'est pour ça que je prends du one shot. Bien. Bon, alors je vous montre, en attendant qu'Atomium aille réparer son stuff, voilà. Je vous montre les bas-fonds de Caldeum. Regardez, c'est beau ça. Il y a des gens qui dansent sur le balcon, ils sont très contents, ils font la fiesta alors que nous on est dans la mouise. Merci, habitants des pays exotiques. Non, c'est joli. Non, c'est sympa, il y a une ambiance. Même si je l'ai déjà dit, l'acte 2, c'est l'acte que j'aime le moins. C'est vrai, pourquoi? Ouais, bah j'aime pas. Je déteste les déserts dans les jeux vidéo. À part dans les jeux vidéo où ça se passe tout dans le désert, genre Journey, Uncharted 3 et tout, enfin où c'est bien, mais dans les jeux comme ça où il y a une partie dans le désert, ça me déçoit. Bon, cette fois on va pas fail. Quelle remarquable perspicacité. Mais n'oublie pas une chose, Nephalem. Asmodan connaît l'existence de la... Une partie dans les nuits, qui est très très belle. Ouais, faut qu'on arrête de fail parce que sinon on va se croire dans une vidéo de Sniper Elite V2, donc attention. Oh là, il ne faudrait pas. Ça serait indécent. Garde pas du tout. Attends. Arrêtez-les. Allez, là, on va leur montrer. Ah, alors, j'ai ton son qui déconne un petit peu, Atomium, sur Mumble, donc désolé pour la vidéo. Non, désolé, parce que j'ai eu un lag, là, même le jeu il a ramé. D'accord. Mais c'est réglé. Enfin, en tout cas de mon côté, j'espère que du tien aussi. Ouais, ça va. Non, mais c'est ton sort. Si tu fais laguer les adversaires, comme ça t'as plus de temps, c'est un mode bullet time du mage. Non, mais tu sais, il y a un mode ralentissement du temps en fait, c'est ça. J'ai fait une distorsion dans le temps, je suis désolé, j'avais pas pensé à la vidéo que c'est enregistré. Ils ont 42 000 PV quand même, hein, les machins. Ah, ils sont violents de chez violents. Allez, ça c'est le mode enfer à plusieurs en fait. Faut le savoir, quand vous le faites en solo, c'est déjà beaucoup plus simple. Et plus vous avez d'alliés, plus ça devient compliqué et vous avez intérêt à avoir des bons alliés finalement. Ouais. C'était quoi ce cri? C'était le cri de la mort de Derib. Lorsqu'il est prêt de mourir, le Derib va se cacher sous un meuble et pousse son cri d'agonie. Je trouve ça design, hein, c'est... Écoute, oh mais ça pue dans cet appart, on dirait qu'il y a un rat qui a crevé sous un meuble. Non, mais c'est Derib. Ah, d'accord. C'est n'importe quoi. Allez, c'est parti, Bélial. Ton heure a sonné. Ce tombeau sera votre tombeau. Ah, c'est bien, ça, je note. Je dis pas que je te tue pas. Peut-être bien que je te tue. Mais je te tue pas. On va y arriver. Non, mais j'y crois. On va y arriver. Et ça va bouger. Ah non, pardon. Aïe. My santé is very low. J'ai pris des cours d'anglais chez Academia. Tu trolls Academia dans une vidéo où tu te rends compte un peu ce que ça veut dire. Mon dieu, mais tu sais que je vais crever en plus avec ces conneries. Mais non, regarde. Allez. La vie. Je suis pas... Occupe-toi du gros, je m'occupe des petits parce que je suis en mode rageux là. Tu sais, le gros. D'accord. Super Saiyan. Super Saiyan de la rage. Ah oui, parce que plus tu tapes, c'est ça? Bah ouais, plus je tape, plus je récupère de la vie et tout. Donc... D'accord. Écoute, moi je vais du coup me limiter à lui, tant pis. Allez, on va taper et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Waouh, on a bien fait de vous montrer ce boss parce que voilà, ça vous montre au aussi que c'est pas trop facile. La difficulté dans ce mode là. Oh, cassos. Vas-y, tu prends le gros, moi je ouais, tente les petits. J'essaye, hein, je t'avoue que je vais pas tarder à crever aussi un peu.
Ouais, non, mais là, honnêtement, je pense qu'on n'y arrivera pas. Ouais, c'est chaud. Parce que la fin, éventuellement, parce que la fin, ça, c'est juste une série d'esquives. La fin, ça va, mais si, je pense qu'on peut s'en sortir, Atto. Allez, on y croit. Allez, on y croit. On est chaud. Je suis en mode... On va mourir tous les deux en one shot. Oh merde, merde, j'ai trop d'ennemis sur moi. Sûr. Non, Atto, aïe, non. C'est là, t'es mort? Ouais, je suis mort. Allez, on y croit, je peux te sauver. Oh my god, en fait, tu sais pourquoi on n'y arrive pas? Parce que vu que t'es niveau 57, les ennemis sont scalés sur ton level. Je crois et pas. Et je suis que... Si, c'est toi qui m'as invité. Et je suis que niveau 53, donc en fait... T'es sûr? Eh ben, il me semble, hein. Attends, il y en a beaucoup, là, quand même. Allez, bah ouais, mais tu sais, quand je l'ai fait en la première fois, parce que je l'ai fait une fois déjà, ouais. C'était ça, oh non, trop dur. Oh là là, je me suis fait encercler, t'étais pas là, boum, allez. On se fait péter. Bon, bon bah écoutez, voilà, est-ce qu'on va finir sur un fail, comme ça vous saurez que le jeu est difficile sur ce mode-là, et ça c'est bien. Voilà, j'adore finir des vidéos sur des fails, c'est génial. Donc on voulait vous montrer ça, mais on n'a pas réussi. Bah comme et ça, ben, on vous spoil le pas Bélial, faites-le vous-même en achetant. Il y a un truc génial, ouais. C'est vrai. Après. Voilà, bah écoute, on va terminer ici. Merci en tout cas à Tomium d'avoir participé à ce journal de Derive, pardon, excuse-moi. journal d'Anne Frank. 34e jour dans les plaines de Diablo. Je résiste encore, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Mon partenaire me fait crever. Oh Saligo. Et non, Aligo, on a dit pas Saligo. Oui, un Aligo, oui, c'est très très bon. Allez, mon petit Aligo, je te dis à la prochaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous donc lundi prochain pour la suite des aventures de Derive sur Diablo 3, le jeu dans lequel on peut fail en direct. Salut à tous et merci à toi. Bah, de rien, et salut tout le monde.